Cette conférence va maintenant être enregistrée. Allez, c'est parti. Donc, ce soir, première introduction concernant la compensation. J'en ai prévu une deuxième demain. On verra si éventuellement les thèmes pourront faire qu'on pourra en faire d'autres. La compensation, de toute façon, c'est un sujet sur lequel on pourrait passer des heures et des heures, surtout à SEC, parce que c'est essentiellement comme ça que ça se travaille. Mais bon, voilà, après, derrière, on va consacrer du temps aussi un petit peu aux autres sujets. Je voulais vous commencer par vous expliquer un petit peu quels étaient les principes et également les limites de la compensation instinctive. Pourquoi est-ce que je parle de la compensation instinctive? Parce qu'a priori, tous, vous savez compenser, plus ou moins bien, mais ne serait-ce que pour descendre à quelques mètres de profondeur, ça marche. Alors, à un moment donné, ça bloque, on verra pourquoi, mais en tout cas, quelque chose fait que vous avez réussi à compenser jusque-là. Avant de détailler chacune des méthodes, ce que je souhaite, c'est d'abord vous rappeler un principe très important de comprendre comment ça marche. Le premier principe physiologique, c'est de s'inspirer de deux règles, une qui est juste pour faire une vague et la deuxième qui est pour dire la réalité. Mais la première règle, c'est de dire que l'eau, ça mouille. Donc ça, c'était la partie vague. Mais c'est surtout pour expliquer qu'en fait, c'est la même degré de réalité que de dire que la pression et les volumes sont liés. L'eau, ça mouille et la pression et le volume est lié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends ne serait-ce qu'une bouteille, vous étiez déjà vécu lorsque vous allez en avion, par exemple, prenez une bouteille qui est à moitié pleine, donc qui est du coup pleine d'air, et vous la montez dans un avion, vous descendez, vous verrez que son volume a tendance à évoluer. Vous connaissez certainement tous cet exercice qu'on utilise en démonstration, c'est-à-dire je prends effectivement un ballon en surface et je le descends et son volume diminue. Ça, c'est une règle qui s'applique à la nature et qui s'appliqueront à tous les volumes d'air qui peuvent être constitués dans notre corps. Et dans notre corps, on a un endroit qui est une bulle fermée. Qui est donc l'oreille moyenne. J'insiste là-dessus parce que on va la résumer à ça. On va dire que l'oreille, c'est une bulle d'air. À l'intérieur, il y a plein d'éléments. Le cochlée, l'enclume, je ne sais plus trop quel autre truc qui sert à rien. Qu'est-ce que tu nous montres? Ah oui, TV, oui. TV égale constant, égale MRT, tout ça. Oui. C'est vrai, Pierrot. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a peut-être plein d'éléments dans une oreille, mais globalement, on s'en tape. Ce qu'il faut comprendre, l'élément le plus important, c'est que c'est un ballon. L'oreille. C'est un ballon dont une grosse partie est rigide. On va dire que c'est un ballon plutôt cylindrique. C'est l'équivalent d'une bouteille, pardon, excusez-moi. Ouais, plutôt cylindrique, du coup. Et donc, c'est un ballon et il y a une partie souple d'un côté qui est le tympan et une autre partie souple de l'autre côté qui est la trompe d'Eustache. D'accord? Et ce ballon renferme plein d'éléments qui font que, du coup, on transforme les vibrations en un son. Mais surtout, on va dire qu'il y a ce tympan qui est là pour nous isoler l'extérieur de l'intérieur. Parce que sinon, ça voudrait dire que dès qu'on rentre dans l'eau, effectivement, la partie interne de cette bulle d'air s'est complètement noyée d'eau et c'est pas souhaité. D'accord? Et puis, on a cette fameuse trompe d'Eustache qui permet à l'air à l'intérieur d'être recyclé pour éviter, un petit peu comme une maison que vous aurez laissé enfermée pendant trop longtemps, que l'air putréfié à l'intérieur ne crée des bactéries, tout n'est pas bien. Donc, finalement, cette trompe d'Eustache, qui est une sorte de cuvette des chiottes, permet de faire en sorte que l'air circule dans l'oreille. Ça, c'est la base. Donc, vous avez une bulle d'air, et donc cette bulle d'air, au fur et à mesure où vous descendez, elle subit les effets de la pression, la variation de pression, et donc son volume va diminuer. Cette oreille, le volume diminue, et donc toute cette diminution est supportée par l'un des éléments les plus souples, qui est le tympan, et donc on sent une gêne. Et comment on sent cette gêne-là, on fait une manœuvre quelconque, donc on verra les détails là, mais qui permet de rétablir le volume de cette oreille. Et donc on redescend, elle subit une diminution, et donc on va refaire une manœuvre pour rétablir ce volume-là. Voilà. Au fur et à mesure, c'est ce qui va se passer. Et puis à la remontée, l'oreille aurait tendance à regonfler, mais finalement ce n'est pas le cas, parce que donc, la cuvette des chiottes va fonctionner, et l'air va se réévacuer et revenir. En l'occurrence, dans la cavité qui est de l'autre côté, qui est la cavité nasale, et s'évacuer ou bien par le masque, ou bien on va la respirer, ça dépendra de la nouvelle technique qu'on peut avoir. Mais, en tout cas, cette oreille va vivre une diminution de son volume et une augmentation de son volume. Quand je descends, elle diminue, quand je monte, elle augmente.
Heureusement, il y a ce fameux tuyau qui permet de faire en sorte qu'elle ne diminue pas complètement jusqu'à l'implosion du tympan ou qu'elle n'explose pas complètement jusqu'à l'oreille de Dumbo. Ça passe tout par cette fameuse trompe de Smash. Voilà, ça c'est pour la base. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que la nature nous a dotés d'une façon de pouvoir faire en sorte de rétablir ça. On va dire qu'on va résumer ça en deux familles. Il y a ceux qui utilisent leur main et ceux qui n'utilisent pas leur main. Donc, ceux qui n'utilisent pas leur main, ils font un jet qui se passe là-dedans au fur et à mesure de la descente. Donc, on va approcher les détails. Et puis, ben, finalement, ils n'ont pas de problème d'oreille. Et ceux qui utilisent leur main, ils pincent le nez comme ça et puis ils essayent d'envoyer de l'air dans l'oreille. De sorte à pouvoir maintenir son volume tout au fur et à mesure de la descente. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Bon, maintenant qu'on a donné cette base-là, on va du coup déterminer les trois techniques auxquelles on a donné les noms et auxquelles on va comprendre comment est-ce qu'on fait, parce qu'a priori, en vous décrivant ça, je vous ai décrit qu'il y en a qui utilisaient leurs mains et d'autres qui n'utilisaient pas leurs mains, c'est bien, mais on n'oublie pas encore que ça reste toujours un geste instinctif, c'est-à-dire que celui qui n'utilise pas ses mains, de façon précise, il a des difficultés à décrire comment est-ce qu'il fait. Donc, souvent, quand ils écrivent, ils vont bah, comme ça, et sinon, comme ça, ok, merci. Avec ça, on fait quoi? On se démerde. Et celui qui pince son nez, il pince son nez, mais il fait quoi derrière? Il souffle? Eh bien, j'espère pas, mais très souvent, en tout cas, c'est ce qu'il croit qu'il fait. On va revenir en détail là-dessus. Donc, juste pour que on s'attarde un petit peu, on va commencer par s'attarder un petit peu par la technique sans les mains. On a appelé en français BTV pour béance tubaire volontaire, pour dire tout simplement que la béance, donc on ouvre, on fait la béance d'un tube de façon volontaire. Voilà, ça paraît super technique, mais en fait, ça veut juste dire que cette fameuse trompe de Smash, par un geste musculaire, on l'ouvre. Voilà. Et puis, comme d'un côté, on a l'oreille, de l'autre côté, en milieu, pardon, on a un tube qu'on ouvre, et de l'autre côté, on a une cavité nasale. Si j'ai de l'air dans la cavité nasale, il s'avère qu'en ouvrant le tube, l'air ira remplir l'oreille. Donc, aussi simplement que ça, au fur et à mesure de la descente, il y en a qui font un geste qui ouvre un tube, qui permet à l'air qui se situe dans la cavité nasale d'aller dans l'oreille. Ce geste, on pourra le décrire, il fait appel à divers muscles qu'il peut y avoir entre le vol du palais et des éléments au niveau de la gorge, mais bon, j'ai envie de vous dire, pour le moment, c'est pas tellement le détail du geste qui compte, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre comment ça fonctionne, et ensuite, quelle en est la limite. Donc, première solution, on a dit BTV, c'est j'ai l'oreille, elle diminue, j'ai de l'air du côté du nez, j'ouvre la trompe de Stache par un geste de BTV pour ceux qui sont en technique, d'accord? Et cet air va dans l'oreille. Facile, j'ai fait une semaine comme ça et ça m'a permis que ça passe. Bon, on arrive à le faire relativement facilement quand on est dans un train, quand on est dans un avion, parce que la variation est assez faible, mais par contre, on a beaucoup plus de difficultés pour ceux qui n'ont pas la chance de le faire naturellement, à le faire en profondeur, puisque ça demande une gestuelle un peu plus musclée. On va résumer ça comme ça. Vient ensuite deux techniques connues qui sont Vastava et Krenzel, qui ont la similitude de dire qu'on pince le nez pour faire en sorte que l'air aille dans l'oreille. Bon, ok. On va du coup essayer de dissocier quelle est la différence entre Vastava et Krenzel. Parce que d'abord, leur similitude est de partir du principe que je pince mon nez et je fais une manœuvre qui va avoir pour conséquence que de l'air arrive en surpression dans mon nez. Et que cet air qui arrive en pression fortement dessus, comme un tuyau d'arrosage qu'on vient d'ouvrir et dont le débit cherche à augmenter dans le tuyau, cet air va chercher une fuite et va trouver la trompe de Stache, enfin les trompes, parce qu'il y en a deux, une de chaque côté, d'accord, va trouver les trompes de Stache et en forçant par la pression, va du coup l'ouvrir et va diriger l'air vers les deux trompes de Stache, de chaque côté. Donc, on va être sur une similitude que Vastava et Frenzel, on utilise le fait de pincer le nez, puisque l'objectif est d'augmenter la pression qu'on peut avoir dans le nez, de sorte à ce que cette pression aille dans les oreilles, en ouvrant la trompe de Stache comme un tuyau d'arrosage, on ouvrirait le robinet, vient forcer cet accès. Bon. Je vous invite pour cela à ne pas hésiter à avoir un miroir à côté de vous, ou à vous regarder de façon divers, ou même simplement à mettre les doigts dans votre nez, et vous rendre compte qu'effectivement, quand vous compensez, la première chose qui se passe, c'est que votre nez gonfle.
Voilà. Pourquoi? Parce que notre manœuvre a consisté à mettre de l'air en pression dans le nez, ça a gonflé le nez. Bon, bien, comme on a bouché le nez, ça va gonfler, ça cherche une sortie. La sortie que ça va trouver, eh ben, c'est les tuyaux qui vont en direction des oreilles. Voilà. Ça, donc, c'est pour la similitude, ben, ça va Prenzel. Maintenant, ce qui va différencier, ben, ça va Prenzel, c'est quel est l'organe qui va permettre de mettre cette fameuse pression. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de la pression dans le nez, il faut qu'il y ait de l'air. Ça, c'est le premier élément. Et il faut qu'ensuite, il y ait un organe qui vienne comprimer cet air-là pour permettre, en étant comprimé, il cherche à s'évacuer vers les oreilles. Ce qui va différencier Vassalva et le Prezzan, c'est quel organe va permettre de comprimer. Donc, dans Vassalva, on va avoir un geste qui s'appelle un geste expiratoire, qui est le fameux geste de souffler qu'on apprend beaucoup en plongée. D'accord? Ou finalement, parce que je souffle de l'air, cherche à partir de mon ventre et à sortir, en l'occurrence, par le nez, par un geste expiratoire, par conséquent. D'accord? Et ce souffle va trouver une obstruction, qui est le fait qu'on bouge le nez. D'accord? Et que parce que je continue à souffler, finalement, je mets une pression dans mon nez. Et donc, ça va créer cette fameuse fuite dans les oreilles. Bon. Frenzel est une autre technique qui consiste à, pour être vraiment dans les puristes, à isoler l'air dans ce que moi j'appelle la partie tétale. Donc, quand d'habitude ils me connaissent, ça ne veut rien dire. Mais c'est juste pour comprendre qu'on a de l'air dans la partie tétale. D'accord? Qui est bouché de tous les côtés et dont un geste de la langue va venir écraser cet air qui est situé donc dans toute la cavité, c'est-à-dire gorge, nez, trachée, etc. Il y a de l'air et donc la langue, par un mouvement de montée comme ça, va venir écraser cet air et en venant écraser l'air, le met sous pression et en le mettant sous pression, ça fait partir dans les oreilles. Et donc, c'est là que je vais vous inviter à faire une première manœuvre. Or, pour ceux qui compensent sans les mains, bien entendu, donc ceux qui compensent avec les mains, j'imagine que c'est le cas de la majeure partie des gens qui sont là. De toute façon, c'est pour vous dire le cas d'à peu près de 80-90% des gens qui font de l'apnée. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, instinctivement, la majeure partie d'entre nous, en fait, on utilise notre langue. Si vous regardez dans un miroir, ou si vous mettez vos doigts ici, que vous compensez, vous allez sentir que ça bouge ici, parce que la nature nous a dotés d'un geste réflexe qui est en l'occurrence la technique Frenzel. Je sais qu'on vous enseigne beaucoup pour en faire savoir, parce que c'est une technique qui est enseignée dans le monde de la plongée, mais en fait c'est une technique qui est contre nature, parce que si vous demandez à n'importe qui fait pas d'apnée, à un enfant ou n'importe qui, de dire tiens vas-y, mets de l'air dans ton oreille, sans lui indiquer le fait de souffler, parce que si vous lui dites de souffler forcément, il va souffler. Mais si vous lui dites mets de l'air dans l'oreille et fais le plus rapidement qu'en force, c'est-à-dire que si je cherche à forcer, effectivement, je peux peut-être souffler, mais si je cherche à aller vite, un peu comme ça, vous allez voir qu'instinctivement, on utilise tous notre langue. Ça, je dirais que c'est le geste de 99% de ceux qui compensent avec le nez. Pardon, avec les doigts. Excusez-moi. Ceux qui compensent avec les doigts. Un petit pourcentage de gens qui compensent avec les doigts font Vassalva de façon instinctive ou en tout cas ils le font de façon apprise. Parce que aussi il y a énormément de gens à qui on a appris qu'il fallait souffler et du coup qu'est-ce qu'ils font? Ils soufflent et en soufflant ils font Vassalva. Bon. Alors maintenant on va voir un petit peu quelles sont les limites parce que c'est le but de la session d'aujourd'hui, c'est de comprendre chacune de ces techniques, est-ce qu'elles ont des limites? BTV. A priori, on est capable de pouvoir dire qu'on peut, avec cette technique-là, atteindre assez régulièrement, chez ceux qui savent la maîtriser, environ entre 100 et 120 mètres de profondeur. Donc, qu'on soit clair, la technique en elle-même n'a pas de limite. On va voir quand même qu'il y a, malgré tout, des gens qui ont des problématiques avec ces techniques-là. On va voir ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à atteindre 100 mètres de profondeur en BTV. Frenzel est également une technique qui permet de rejoindre, en tout cas chez ceux qui la maîtrisent bien, plus de 100 mètres de profondeur aussi. On va également aborder dans quelques secondes pourquoi est-ce qu'on peut rencontrer quelques freins dans la technique de Frenzel qui fait qu'on n'atteint pas 100 mètres de profondeur avec et comment font ceux qui atteignent 100 mètres pour y arriver.
Il y a quand même une chose très importante qu'il faut que vous sachiez, c'est que la technique de Vasalva, en revanche, celle-ci, donc ceux qui ne font que Vasalva, qui n'utilisent pas leur langue, la profondeur maximum qu'ils peuvent espérer est d'environ, tête en bas, une dizaine de mètres de profondeur. J'insiste sur le tête en bas, parce que ça a une importance. Et peut-être que vous avez eu la chance de croiser, enfin la chance, la chance pour lui en tout cas, croiser un apnéiste qui arrive à descendre un petit peu tête en bas jusqu'à 6-7 mètres. Au-delà de 6-7 mètres, ça devient la croix et la bannière. Et éventuellement, si c'est quelqu'un qui a un physique bien taillé, il arrive à atteindre une dizaine de mètres de profondeur comme ça. Et puis, bah, souvent, il n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il repasse tête en haut. Et là, en passant tête en haut, il arrive à descendre jusqu'à 15-20 mètres de profondeur à peu près. Parce qu'effectivement, tête en haut, c'est plus facile. L'air se dirigeant vers les oreilles naturellement, parce qu'il rejoint la surface. Du coup, c'est plus facile de descendre tête en haut que de descendre tête en bas. Donc, ceux qui font Vasalva purement descendent maximum à 10 mètres tête en bas et un maximum 20 mètres tête en haut. Donc, ça veut dire que si vous êtes déjà descendu une fois dans votre vie au-delà de 10 mètres de profondeur, bonne nouvelle, vous ne faites pas Vasalva. Vous faites au minimum un petit peu de Frenzel. Parce que, donc là, on va commencer à s'attaquer aux limites quand même, qui sont des limites pratiques de chacune des techniques, qui font qu'on peut se retrouver bloqué quand même. Alors, BTV, on va revenir à BTV, on va faire Frenzel, on va ensuite voir ce que ça peut donner. BTV a une difficulté, on l'a dit, c'est que il faut qu'il y ait de l'air dans le nez pour qu'en ouvrant la trompe d'Eustache, il se retrouve dans l'oreille. Donc ça veut dire que si je fais mon geste, comme je fais d'habitude de BTV, mais que malheureusement, il s'avère que je n'ai pas d'air au niveau du nez, la BTV ne marchera pas. Assez régulièrement, ce qu'on appelle la capacité expiratoire de tout un chacun est aux environs de 35-40 mètres de profondeur. Alors ça veut dire quoi ce que je viens de dire là? Ça veut dire que ma capacité à mettre de l'air dans la partie tétale, à le transférer du poumon jusqu'à la partie tétale, cette capacité de faire ce geste-là prend fin aux environs des 30 mètres, et 35 mètres chez la majeure partie d'entre nous, 40 mètres chez ceux qui sont les plus souples. D'accord? Et donc, ma capacité à charger, à transférer l'air de là jusqu'à la partie tétale, donc en l'occurrence, mettre de l'air des poumons jusque dans le nez, prend fin naturellement vers 35-40 mètres dans une capacité expiratoire. Donc, il est assez régulier que ceux qui font de la BTV n'arrivent plus à mettre de l'air dans la partie nez, et donc en l'occurrence, dans ce cas-là, dans la partie masque, puisque forcément les deux sont liés, le nez et le masque, et le nez. Eh bien, assez naturellement, comme ils n'arrivent plus à mettre de l'air dans leur masque, ils n'arrivent plus, en ouvrant le tube, à équilibrer l'oreille. Donc, le premier frein de la BTV, c'est la capacité à mettre de l'air dans le masque, et donc, du coup, qui se retrouve dans des freins qui sont aux environs de 40 mètres de profondeur. Et les gens, la différence entre ceux qui vont à 40 mètres par ces techniques et ceux qui vont à 120 mètres, c'est parce qu'ils utilisent une technique qui est issue des nouvelles techniques de précision, qui en fait, finalement, ils font une réserve d'air dans la bouche pour ne plus avoir à pomper de l'air dans le ventre. Et ils utilisent toujours cette technique d'ouverture de la trompe, d'ouverture de la trompe par leur geste. Simplement, au lieu de prendre l'air dans les poumons pour que ça aille dans le nez et ensuite que ça aille dans l'oreille, ils prennent l'air dans la bouche pour que ça aille ensuite dans le nez et ensuite que ça aille dans l'oreille. Mais la technique en elle-même, la BTV, reste la même, l'ensemble du geste reste la même. La seule chose qui va changer entre quelqu'un qui est très profond et quelqu'un qui n'est pas très profond, c'est d'où vient l'air qu'il met ensuite dans le nez pour pouvoir, par son geste, l'envoyer dans l'oreille. Bon. Pour Frenzel, c'est la même problématique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux écraser de l'air dans la partie tétale avec mon geste de langue, il faut que j'ai de l'air et vers 30-40 mètres, bon, plutôt vers 40 mètres, je me retrouve avec l'incapacité de pouvoir prendre cet air-là de mes poumons pour pouvoir ensuite écraser ma langue et l'envoyer dans les oreilles. Un certain nombre de personnes font ce qu'ils appellent la carpe inversée. Alors, la carpe inversée, ben, c'est un geste où je vais venir pomper de l'air par un geste de langue dans mes poumons pour recharger ma bouche et ensuite l'envoyer dans l'air. Bon, les oreilles, pardon, excusez-moi. Et donc, ce geste de carpe inversée, c'est la première façon qu'il y a de mettre de l'air dans la partie tétale pour ensuite l'écraser et la faire partir dans l'oreille. Avec cette technique-là, beaucoup d'athlètes
ont dépassé les 100 mètres de profondeur sans difficulté. Et d'autres ont inventé un substitut qui, au lieu de venir pomper de l'air comme ça au fur et à mesure de la descente par cap inversé, des poumons vers la bouche et ensuite de la bouche vers les oreilles, ils ont créé le fameux mouth feel où on cherche à remplir ses joues pour ensuite équilibrer dans les oreilles. Mais ça, c'est du coup plus Frenzel. C'est la technique qu'on appelle mouth feel, dont on se moque complètement parce que là, l'objectif est de partir pour le moment sur ce qu'on appelle des techniques instinctives, celles qu'on ne nous a pas apprises pour comprendre quelles peuvent être les limites. En tout cas, ce que je veux faire comprendre, c'est que Frenzel est en soi une technique qui, même instinctivement, parce que la cape inversée est un geste qui est assez instinctif chez pas mal de gens, leur permet à plein de gens d'atteindre 70-80 mètres et à des gens très développés, avec une souplesse très forte, d'atteindre les 100 mètres grâce à cette technique, du coup, qui fait que plein de gens, sans rien avoir appris à la compensation, peuvent atteindre des profondeurs comme 80 ou 100 mètres, juste parce qu'ils utilisent cette technique de cape inversée et Frenzel. Voilà. Et puis, il y a ce fameux Valsalva qui bloque à environ 10 mètres de profondeur et qui est un inconvénient puisque la majeure partie de ceux qui bloquent entre 20 et 30 mètres, ce qui est le cas de, on va dire, 70-80% des gens au début, le premier blocage qu'il y a entre 20 et 30 mètres vient du fait que chez la majeure partie des gens à qui ça arrive, il y a un mélange Vassava-Frenzel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sans le vouloir, encore une fois, je vous rappelle que c'est un geste instinctif, qu'on ne vous a pas appris comment le faire, et juste vous faites un truc et à un moment donné, vous rencontrez un frein. Et donc, sans le vouloir, vous envoyez de la pression avec le ventre, et en même temps, vous envoyez de la pression avec la langue. Et puis ça passe un certain temps, parce que la puissance de la langue suffit, et que finalement, en ouvrant, en envoyant de la puissance avec le ventre, et ben, les deux puissances qui sont là arrivent à peu près à cohabiter ensemble, et l'oreille arrive à passer jusqu'à 15 mètres, 20 mètres, 25 mètres, voire, chez certains, jusqu'à 30 mètres. Mais en tout cas, si vous bloquez régulièrement, si votre compensation commence à être moins confortable vers 20-25 mètres, et si qui plus est, je vais l'illustrer, parce que c'est le cas chez beaucoup, ça sort, il y a un espèce de bruit qui se fait comme ça, où on est en train de... Et vous sentez que vous êtes obligé de forcer fort avec le ventre pour réussir à compenser, c'est parce que malheureusement, instinctivement, vous mélangez un Vassava et un Frenzel. Ça, c'est pour vous expliquer des donc trois techniques qui existent avec leurs limites à chacune et avec le fait que malheureusement, des fois, on les mélange et donc par conséquent, ça crée encore de nouvelles limites. Vous ne pouvez rien contre ces limites-là et contre le fait qu'instinctivement parlant, vous êtes doté de la chance de faire un geste ou d'un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous savez compenser sans les mains, tant mieux. Est-ce qu'on peut apprendre? Oui, c'est possible. Si je fais Frenzel et que je bloque à 20 mètres parce que je fais Vassalva, est-ce que je peux apprendre encore une fois et passer à un Frenzel traditionnel parce que je vise 40 mètres de profondeur? Oui. Est-ce que lorsque j'ai atteint 40-50 mètres de profondeur, je peux utiliser des techniques comme cap inversé ou mouth feel pour progresser? Oui, mais a fortiori, ça demandera un travail d'apprentissage. D'accord? Est-ce que ceux qui sont bloqués en descendant à 7, 8, 10 mètres maximum, tête en bas, peuvent réussir à un moment donné à compenser en descendant plus bas? Oui, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas possible d'apprendre quelque chose. Je suis juste en train, au travers de cette intervention, de vous expliquer que la compensation est un geste a priori hyper simple, et c'est surtout un geste qu'a priori on ne vous a pas appris, que la nature vous a donné, pour répondre à un besoin qui est celui de pouvoir équilibrer le volume de l'oreille tout au long d'une descente en profondeur ou d'une montée en altitude. Comme tout être humain, comme plein d'animaux, nous avons cette capacité-là, et donc la nature nous a doté de cette capacité-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, ben, vous avez un geste qui est l'un de ceux que je viens de décrire, et donc les limites qui sont aussi liées à ce geste-là. Et que vous pouvez toujours chercher à repousser ces limites-là, il n'empêche qu'à un moment donné, vous serez obligé d'apprendre à évoluer et faire en sorte que ce geste instinctif ne soit plus seulement instinctif, mais un geste appris. Et donc, c'est là que je vous invite, après, à ne pas hésiter à faire des formations sur la compensation lorsque vous avez atteint un peu une limite,
Mais donc, et là je vous invite à être très attentif là-dessus, il est hyper important de d'abord faire un diagnostic de ce que vous faites et de corriger les éventuels défauts de ce que vous faites avant de chercher à apprendre quoi que ce soit. Parce que trop régulièrement, je vois des gens qui sont là en train de s'amuser avec des autovents, des ballons, des machins, etc. Qui, encore une fois, je me permets de vous rappeler, sont des outils qui ont été mis en place pour que des gens qui sont déjà forts deviennent très très forts. Donc j'insiste là-dessus parce que moi personnellement, j'ai jamais mieux appris la compensation à mes élèves que le jour où j'ai arrêté d'utiliser les autovents et autres tubes, etc. Puisque malheureusement, c'est les outils d'entraînement, comme vous pourriez utiliser un appareil de musculation pour personnes déjà très fortes en musculation. C'est très bien, ça sert à ça, mais attention à ne pas vous tromper, à faire plein de gestes de compensation avec les ballons, etc. Puis une fois dans l'eau, finalement, il n'y a rien qui change, vous avez progressé à peine quelques mètres, mais pas beaucoup plus. Alors que je vous rappelle que toutes ces techniques sont censées vous amener à plus de 100 mètres de profondeur à partir du moment où vous les maîtrisez, et plein de gens continuent à être bloqués à 30, 40 mètres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas intéressés à leurs problématiques et à résoudre leurs problématiques en amont. Donc là encore une fois, je vous invite à vous situer à votre niveau et le but de cette intervention était de vous faire comprendre que dans un premier temps, il y a des techniques qui existent, qu'elles sont instinctives, que vous ne faites rien pour les faire, en tout cas vous ne savez pas comment est-ce que vous faites pour les faire, vous le faites, c'est tout. Et que du coup, ces techniques instinctives, vous devez en comprendre les limites pour pouvoir du coup ensuite dire, OK, maintenant, il faut que je sache comprendre comment est-ce que je dois évoluer. Donc si par exemple, je bloque à 10 mètres tête en bas, ça veut dire qu'il faut que je passe de Bastava à Frenzel. Donc, il faut que j'apprenne à faire Frenzel. Si je bloque vers 20-25 mètres, il cherche à rien, il sert à rien de chercher à apprendre une technique complémentaire. Le plus important va être de chercher à faire en sorte que je ne fasse pas un mélange entre Bastava et Frenzel, mais que je fasse un pur Frenzel qui me permette d'atteindre 40 mètres, voire 50 mètres de profondeur. Et quand j'atteins 50 mètres de profondeur, quelle est la technique qu'il faudra que j'utilise pour dépasser les 50 mètres? Donc, soit la cape avancée, soit le Mosfeed. Mais pour moi, dire, bah, je vais prendre Mosfeed alors que je vais passer de 20 à 30 mètres, c'est une grosse erreur parce que du coup, le problème que vous avez, vous allez le traiter, vous le traînez avec vous et vous n'irez pas beaucoup plus bas. Même si je vous apprends une technique comme le Mosfeed. Voilà. Donc, c'était une formation qui est une introduction à la compensation, qui est une introduction à comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous avez des difficultés. Et donc, vous ouvrez l'esprit à vous dire que ces difficultés sont solvables. De toute façon, aujourd'hui, on sait résoudre tous les problèmes de compensation. Il n'y a personne que je connais qui est arrivé avec un problème et qui est reparti avec son problème, si ce n'est que des fois, ça prend un peu du temps, mais avec certitude, tous les problèmes de compensation se résolvent. Donc, ne prenez pas ça comme une fatalité, et avec certitude, c'est un frein qui n'est lié qu'au temps que vous vous accordez à apprendre à le maîtriser. Parce que, avec certitude, tout le monde, il n'y a personne de moi, je ne suis pas fait pour ça, moi, j'ai une spécificité, etc. Toutes ces excuses que je peux entendre n'existent pas. En réalité, c'est des excuses qu'on utilise pour ne pas affronter le problème, en réalité. Voilà. Bien entendu, il y a moult exercices qui me permettront de pouvoir faire en sorte d'évoluer là-dessus. Et demain, je vais vous donner quelques petites choses supplémentaires pour vous aider à comprendre. Comment est-ce que je fais un petit peu mieux le geste que je fais aujourd'hui? C'est-à-dire vous apprendre à écouter quelques petites zones dans votre corps pour essayer de mieux faire avec moins d'erreurs la technique instinctive dont on est tous dotés, c'est-à-dire Frenzel, pour pouvoir du coup se permettre d'être plus à l'aise assez rapidement sur 40 mètres de profondeur. Voilà, j'espère que cette partie vous a intéressé. Maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, je vous invite quand même à rester dans le cadre du thème parce que bientôt, je me doute que les questions peuvent être très très variées, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on reste sur le fait de dire la différence de ces trois gestes et les limites qui y sont associées. Voilà. Si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment. C'est parti. Allez, Pierre, on t'écoute. Problème personnel, au niveau compensation, quand je descends, à chaque fois que j'arrive à 17-18 mètres, ça passe pas, mais que pour l'oreille gauche. OK. Quel est le souci? Alors, le souci, il est a priori, normalement, relativement simple. Pour t'expliquer, on est tous dotés d'une force différente à droite et à gauche. Je m'explique en faisant ce geste-là, pourquoi? Parce que si j'essaie de soulever un truc avec le bras droit, si j'essaie de soulever un truc avec le bras gauche, je vais pas avoir la même force. D'accord? Notre trompe, notre système, notre cavité nasale, a une trompe droite et une trompe gauche qui sont différentes.
Sauf qu'on met la pression que dans un seul endroit, c'est le nez. C'est-à-dire que tu envoies le robinet que dans un seul endroit, c'est le nez. Et donc, peut-être que ta trompe droite a besoin de 30 kg de pression. C'est une image encore, bien entendu, on est d'accord, ce n'est pas des kilos. Okay. Et ton bras gauche, lui, a besoin de 60 kilos. Alors, encore une fois, on peut parler que c'est peut-être lié à la rectitude de ta trompe ou aux crispations que tu peux avoir, parce qu'effectivement, tu peux avoir une mâchoire qui peut être parfois un petit peu crispée d'un côté et de l'autre, et donc tu peux avoir tendance à écraser ta trompe plutôt d'un côté et de l'autre. Passons. Ce qui est le plus important de comprendre, c'est que tu as forcément une oreille qui est plus difficile que l'autre, mais que tant que tu as la pleine puissance que tu peux utiliser au départ de ta compensation, parce que c'est facile, la profondeur est faible, tu arrives du coup assez facilement à atteindre la pression nécessaire pour que ton oreille gauche s'ouvre. Et dès que la compensation devient un peu plus difficile parce que ton geste est moins bien maîtrisé, par conséquent, tu n'arrives plus à mettre assez de pression dans ton nez. Et comme tu n'arrives plus à assez mettre de pression, ben, l'oreille droite, elle est passée parce que disons qu'elle est facile, elle a besoin que de 30 kilos. Mais l'oreille gauche, elle passe pas parce qu'elle a besoin de 60 et que toi-même, tu n'arrives plus à solliciter assez de force pour mettre 60. D'accord ? Je ne parle même pas en plus du défaut qui peut arriver encore plus régulièrement, qui est de dire que ton oreille droite est passée, ce qui est un indicateur pour toi qui dit que tu continues. Donc parfois, malheureusement, tu vas continuer à descendre. Et donc, tu vas squeezer encore plus la trompe gauche parce qu'elle va diminuer et va descendre. Et donc, si elle a besoin de 60 en temps normal, comme tu es descendu et que là, elle est squeezée un peu plus, eh ben, ce n'est pas 60 qu'elle aura besoin, c'est peut-être 100 ou 120. Ouais. D'accord ? Parce que tu seras descendu en disant, c'est bon, l'oreille est passée, parce que tu auras écouté l'oreille droite. Mm-hmm. Et ton oreille gauche, elle n'est pas passée, donc elle va serrer, la trompe va serrer, parce que son volume va diminuer, donc tu comprends qu'elle va se squeezer par elle-même. Et donc, c'est plus 60 qu'elle aura besoin, c'est 110 ou 120. Et donc, par conséquent, ton oreille gauche ne passe plus. Voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas lié à la technique, d'accord ? Enfin, si, pardon, oui. Excuse-moi. C'est purement lié à la technique, au fait que très régulièrement, tu mélanges un vassava frenzel, qui fait que tu n'arrives plus à mettre assez de pression dans ton nez pour que ton oreille gauche s'ouvre. Donc, tu as pour impression que c'est ton oreille qui t'embête, alors que 9 fois sur 10, c'est surtout que tu n'arrives pas à mettre assez de puissance dans le nez pour que l'oreille gauche, qui est plus résistante, passe mieux. Ouais. Ouais, c'est sûr, parce que si jamais je me retourne, je mets la tête en l'air, ça passe et je peux descendre après. Voilà, bah, parce que tu fais un mélange, bah, ça va, Frenzel. Il n'y a pas de doute. Exactement, je savais ça. Ok, merci. Je t'en prie. Xavier, Vassava et Frenzel n'ont absolument rien à voir. Il y en a un qui utilise le fait de boucher le nez et l'autre pas. Donc, non, c'est deux techniques qui sont complètement différentes. Tu n'as peut-être pas cité au début de la réunion, c'est pour ça que tu ne le sais pas, mais vraiment, clairement, on reprend la réunion et tu comprendras. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi. C'était pour savoir quand, j'ai pas bien compris ce que c'était la carpe inversée et quand elle devait intervenir. Parce que moi, je vois quand j'en ai fait en mer, bah, j'ai fait c'était cet été, j'étais bloquée à 31 mètres à chaque fois. Mais je ne sais pas si c'était lié à un problème d'air que j'arrivais peut-être pas à remonter. J'avais une sensation de compression. Au niveau du et puis c'était comme si ça fallait que je ça coinçait quoi ça... Alors est-ce qu'il fallait faire une technique de ramener de l'air plus haut, je sais pas, et la carpe inversée, je sais pas ce que c'est. Alors carpe inversée, la technique est vraiment utile au-delà de 50 mètres de profondeur, donc c'était pas ça. Donc là le problème c'est pas un problème technique. 30 mètres assez régulièrement, est-ce que c'est un problème de mélange entre Vassava et Frenzel ? Encore, hein ? Bon, de toute façon, c'est le problème de 80% des pratiquants. C'est que je fais les deux, là, encore. D'accord. Demain, je donnerai quelques explications pour éviter de faire les deux. Ouais. Mais en soi, Frenzel n'a pas une limite de 30 mètres de profondeur. Et la capacité expiratoire de tout à chacun à 30 mètres, en général, ouais. elle est encore possible, donc ce n'est pas un problème. Ouais, le fait que ça m'appuyait, j'avais comme un point qui venait, c'est quoi, c'était, j'ai jamais su. Et à chaque palier, ça me fait ça. Et après, passe. Un point là, au niveau du. C'est le diable, mais on ne voit pas. Il n'y a que le son. Tu n'as pas mis la caméra ? Tu n'as pas mis la caméra. Et là ?
au niveau du sternum, là. Ah, je t'arrête, il n'y a toujours pas de vidéo. Pourtant, je me vois, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais bon. Donc, ça serait, c'est au niveau du sternum. Ici, là Un peu plus haut, un petit peu plus haut, là, par là. Là, un peu, ouais, un petit peu plus bas, là, sur la... non, un peu plus bas, sur vraiment le... Voilà, là, au niveau du... Comme si ça me faisait un écrasement. Et j'ai... Puis voilà. Et à chaque fois que je passe à des paliers un peu plus... Je coince et après, ça se redécoince. Ben là, clairement, tu es dans un mélange Vassava-Wenzel. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu cherches à expirer, et bien en fait, tu cherches à créer une force qui va envoyer de l'air de là jusque là. D'accord? Et que cette force, elle vient par l'écrasement des muscles qui sont là et elle combat l'écrasement de ta langue qui est là. Ah. Et le lieu où ça combat, c'est ici. Et c'est pour ça que ça me fait ça. D'accord. Tu es clairement un mélange Vassava-Wenzel. Mélange les deux. D'accord. Merci. On abordera demain comment est-ce qu'on apprend à dissocier ça. D'accord. D'autres questions? Patrick? Oui, Pascal. Alors, juste une petite seconde. Je ne sais pas qui c'est qui vient de parler. Il y a juste une question qui m'est, deux questions qui me sont posées sur le côté, là. Donc, si vous voulez bien, je vais y répondre, d'accord? Est-ce qu'on peut travailler une oreille qui passe mieux qu'une autre pour faciliter la compensation? J'ai envie de vous dire oui, c'est facile, c'est possible. Pour ça, il vous suffit de juste faire régulièrement un petit geste comme ça, qui consiste à mettre l'ensemble sous pression pour l'assouplir un tout petit peu et le faire régulièrement pour améliorer une oreille par rapport à une autre. D'accord? Tu parles des ballons et compagnie, donc il ne sert à rien de vouloir s'entraîner à sec à la compensation, il faut seulement expérimenter sous l'eau. Alors, non, je pense que c'est énormément intéressant de s'entraîner à sec. Je pense juste qu'il ne faut pas le faire avec des ballons dans un premier temps. Voilà. Donc, les ballons serviront dans un second temps, mais dans un premier temps, s'entraîner à sec est une véritable clé, mais pas au ballon. Ensuite, salut Pascal, je suis en BTV, mais justement, je bloque à 40, ok. Y a-t-il des techniques pour améliorer sa BTV? Oui, je te confirme, tu peux en parler à Mireille, qui est là, qui bloquait à 40 quand je l'ai rencontrée et qui aujourd'hui s'est arrêté à 81 parce que c'était le bout de la corde, mais elle avait encore largement de quoi compenser. Donc oui, il y a des techniques pour apprendre à compenser plus bas en BTV aujourd'hui, sans difficulté, tu peux espérer atteindre plus de 100 mètres de profondeur avec la BTV. Du coup, maintenant, ceux qui voulaient poser une question, vous pouvez. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bravo, hein, parce que tu maîtrises bien le sujet. Je voulais te poser la question pour la béance tubulaire. Je n'ai pas compris, parce que je débute un peu dans ce domaine, quels sont les gestes qui permettent de faire la béance? Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. Ah, écoute, là, c'est un sujet qui est facile et qui est compliqué en même temps, parce que ce qu'il faut comprendre, le geste de la BTV, c'est un geste où, avant tout, il faut savoir comme il faut remonter son aluette. Alors, je ne peux pas vous montrer là, c'est un peu compliqué, mais ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est vous mettre devant un miroir, la lumière, et bailler, et vous verrez qu'en baillant, votre aluette remonte très très haut, votre vol du palais, en fait, qui remonte très très haut, d'accord? Parce que c'est un geste musculaire qu'on sait tous faire. Par contre, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas le faire consciemment. Et encore moins de façon synchronisée pour pouvoir faire en sorte que ça se passe comme il faut en profondeur. Mais si quand on baille, ça marche bien, si quand on marche et qu'on déglutit, ça marche bien, c'est parce qu'en fait, ce geste-là, on sait le faire. Et donc après, ce qu'il faut, c'est suivre des protocoles, pour ceux que ça peut intéresser, suivre des protocoles pour apprendre comment est-ce que je fais pour consciemment utiliser et donner de la force à ce geste pour apprendre à compenser sans les mains avec la BTV. Voilà, donc pour ça, je vous rappelle, si vous voulez compenser sans les mains, vous pouvez l'apprendre par des cours qui sont liés à ça. Personnellement, j'en fais pas. J'ai suivi des cours par rapport à ça, mais j'en faisais pas jusqu'ici. J'ai compris, appris le principe. Ça va, moi, j'arrive à peu près à le faire si je balade tranquillement. Alors, j'étais vraiment bloqué. Mais maintenant, j'ai trouvé un autre truc, je pense que vous l'avez peut-être tous déjà vu, c'est que j'ai un nouveau pince-nez qui permet de compenser sans les mains et qui porte sous le masque. Donc franchement, maintenant, je ne me cherche même plus à apprendre ça. Je vous dis dépenser 30 balles et puis apprenez à vous en servir. Et c'est beaucoup plus facile que d'apprendre à faire sans les mains. Voilà.
Ok, merci. Oui, Philippe, tu as raison. Le 30, 31 mai et 1er juin, je fais un stage ici à Carilroué dédié à la compensation où ce sujet est abordé, développé, où 6 séances ont lieu dans l'eau avec des gueuses et mon fameux manège pour descendre tracté à la corde, de sorte que vous puissiez travailler la compensation dans le confort. Voilà. Merci Philippe pour l'intervention. L'intervention publicitaire. Qui d'autre? J'écoute. Une autre intervention publicitaire. Tu viens de parler de ton fameux pince-nez. Tu nous le présentes, s'il te plaît? Alors, ce n'est pas le sujet de maintenant, mais par contre, demain. C'est gentil, Pierre, mais je vais essayer de rester dans le thème. Ok. Mais par contre, vous allez voir sur mon site internet, il y a plein de trucs pour le présenter. Mais c'est gentil de Pierre de le proposer. C'est Thibaut, je crois, qui voulait intervenir. Marius, peut-être aussi, lequel des deux? Allez, on dit Thibaut. Oui, Thibaut, allez-y. Pascal, tu confirmes si tu m'entends? Je t'entends, Thibaut. Ouais, écoute. Moi, c'était la question sur le mouthfeel et la carpe inversée, lequel tu préconises? Parce que j'imagine qu'un mouthfeel, à partir d'une certaine profondeur, tu es obligé d'en refaire un deuxième, j'imagine. Et quand tu es à 70-80 mètres, est-ce que c'est pas hyper compliqué de refaire un mouthfeel, une sorte d'énorme carpe inversée pour ramener de l'air? Question. Alors, pour te répondre, moi, entre le mouthfeel et carpe inversée, j'enseigne le mouthfeel, puisque la difficulté de la carpe inversée, c'est qu'elle va avoir tendance à survider les poumons, beaucoup plus que leur flexibilité peut le permettre. Alors, après, si vous êtes vraiment très, très souple, why not? Il y a des gens qui sont hyper souples de la cage thoracique et donc qui peuvent continuer avec la carpe inversée, c'est pas un souci. Mais en tout cas, la carpe inversée est quelque chose qui est relativement accidentogène. En revanche, le mouthfeel est quelque chose de facile à apprendre. Et non, c'est quelque chose où tu te charges une fois et tu le traînes jusqu'en bas et tu n'as pas à le recharger. Donc, c'est justement l'intérêt du mouthfeel. Si tu charges à 20, 25, 30, alors je parle pour ceux qui s'intéressent d'aller au-delà de 40 mètres, je sais que c'est ton cas, Thibaut, on se connaît, si je ne me trompe pas, j'ai reconnu ta voix. Tu vas déjà le faire 45, 50, le mouthfeel est tout à fait adapté à toi. Mais tu verras qu'en apprenant, en chargeant à 20-25 mètres, tu trouveras ta limite à plus de 100 mètres. Donc, il n'y a pas de problématique à ça, tu n'as pas besoin de recharger. La technique en soi, en tout cas, moi, je préfère plutôt le mouthfeel que la carpe inversée. Merci. Merci Thibaut. Marius? Ouais, Pascal, donc je pense que je vais être hors sujet, mais je sais qu'il y en a qui inondent donc, l'oreille moyenne. Mettre de la flotte. Ouais, c'est une technique qui a été utilisée, qui a été inventée par feu Patrick Musimy, mais qui est effectivement pas, enfin, qui est pas enseignée, qui d'ailleurs pour plein de personnes n'est pas préconisée, parce qu'effectivement on fout quand même de la flotte dans un endroit qui est pas censé en avoir, où on fout de la flotte dans les sinus, on fout de la flotte dans la cavité nasale, on fout de la flotte dans les oreilles, donc au-delà du côté hyper douloureux de la manœuvre, c'est vrai que l'eau n'étant pas pure au niveau bactérien, c'est un peu problématique. Donc c'est une technique qu'a priori on n'enseigne pas. D'accord. Et Cédric a raison de dire que Patrick Musimy, comme beaucoup, ont fini à l'hosto avec des gros problèmes à l'oreille et bien. Ouais, d'accord. Ok. Xavier, il faut que tu regardes les éléments concernant la présentation du pince-nez pour faire en sorte que tu comprennes comment est-ce qu'il marche et que tu peux du coup compenser ton oreille et le masque en même temps. C'est gentil de me proposer ça, mais il faut comprendre la compensation, c'est un sujet, on peut y passer 2 jours, hein, donc, enfin, d'ailleurs on y passe souvent 2 jours. Mais voilà, je voudrais quand même qu'on reste sur la compréhension des techniques et également, est-ce que ça vous a permis d'identifier, selon vous, ce qui est aujourd'hui la technique que vous utilisez d'abord, premièrement? Et pourquoi est-ce qu'éventuellement vous pourriez avoir une difficulté? Voilà, c'est le but, c'est de faire comprendre chacune des techniques et les limites qu'elles ont. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore par rapport à ça? Bah, moi, je vais revenir sur mon expérience. Ma deuxième fosse, c'était début mars. Je suis passé en Frenzel et. C'était beaucoup plus confortable à passer pour arriver à 20 mètres. Surtout en anticipant la compensation. Donc, j'ai regardé les tutos, les tiens et tout. Et avec la tête bien rentrée, si tu veux. Toi, le menton… Les techniques, ça prenne. Il y a plein de raisons pour lesquelles…
certitude. Hein, on passe chaque stage qu'on peut faire. Nous, on identifie souvent des problèmes qui sont simples. Hein, la compensation, je dis, c'est quelque chose qui marche à 10 mètres. Ça marche tout au-delà, c'est parce que malheureusement, on a conservé un réflexe qui n'est pas le bon, donc il nous faut juste apprendre à passer le mauvais réflexe. Et donc, c'est pour ça que je dis que moi, je m'interne beaucoup plus à interroger les gens et les mettre face à leurs réflexes plutôt que de face à l'apprentissage de choses particulières, genre est-ce que j'ai utilisé mon rôle de palais, ma glotte et tout ces trucs-là, sans s'interroger sur les réflexes qu'on peut avoir. Et ça, les réflexes, il faut oublier que c'est ce qui nous a permis de compenser jusqu'ici. Donc, il faut quand même s'interroger énormément là-dessus. Et je vais revenir aussi sur le relâchement. C'est aussi, je pense que le relâchement doit se conjuguer parfaitement avec la compensation. Je vois que j'ai encore du travail à faire là-dessus. Et pour être relâché complètement, la partie tétale, les voies aériennes supérieures. Et donc après, il faut pratiquer. Ouais, il faut pratiquer. Il faut avoir quelqu'un à côté de toi qui te corrige sur les choses, parce que très souvent, on pense tous bien faire. Et c'est toujours intéressant d'avoir autour de soi. Enfin, c'est pas obligatoire, hein. Comme toute activité, on peut apprendre de façon autodidacte. Hein. Il n'y a pas obligatoire d'avoir un moniteur. Mais c'est vrai que d'avoir un moniteur à ses côtés, qui, souvent visuellement parlant ou en proposant des exercices, permet de rendre compte de ce que vous faites mal. C'est une des clés, hein. Comme je dis, de toute façon, avec certitude, si vous bloquez, si vous faites demi-tour parce que vous avez de l'inconfort, ou si vous faites demi-tour parce que vous avez un problème de compensation, avec certitude, c'est quelque chose qui s'apprend assez facilement. Je vous rappelle que quand vous êtes descendu, vous avez fait 25 ou 30% de votre effort en réalité. Finalement, vous êtes censé arriver en bas dans le confort et la plénitude. Quand vous regardez les athlètes qui descendent sur une performance, quand ils arrivent en bas, ils vont bien, quoi. Et quand ils arrivent en haut, c'est parfois plus difficile. Mais en bas, tout va bien. Je ne connais pas de personne. Bon, après, peut-être des bourrins, j'en sais rien, tu vois. Mais je connais pas une personne qui arrive en bas pas bien, quoi. Parmi ceux qui maîtrisent ce qu'ils font. Il y a toujours, effectivement, des gens qui ne maîtrisent pas. Parmi ceux qui maîtrisent ce qu'ils font, il n'y a pas de difficulté à descendre. Hein. J'aime bien utiliser cet exemple régulièrement. Si on disait à tout le monde qu'un sous-marin nous attend au bout de la corde et puis qu'on peut aller boire un café, je suis sûr qu'il y en a grand nombre d'entre nous qui sont capables de descendre très profond. Hein. C'est remonter qui est plus difficile après. Pascal, je ne sais pas si tu m'entends. Allez, on entend, dis-moi. Ouais, dis-moi, tu sais, dans tous les sports, on s'échauffe musculairement et tout. Est-ce que tu penses que pour les oreilles, ça serait pareil aussi? Tu t'échauffes, toi, avant de commencer, je sais pas, de faire une perf, tu commences doucement ou tu peux directement descendre plus profond? David, non, je te confirme, ça ne s'échauffe pas. De toute façon, il n'y a pas de muscle dans tout ça. L'ensemble des muscles que tu peux utiliser, c'est que des muscles que tu utilises en permanence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de muscle au niveau de la trompe d'Eustache qui va te permettre de faire en sorte que ça passe. Il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de muscle. Ah, excusez-moi. C'est un copain qui m'appelle. Il n'y a pas de muscle qui vit pendant la compensation un effort musculaire particulier. Et celui qui est le plus utilisé dans le cadre de la compensation, c'est la langue, et vous en savez toute la journée. Donc, a priori, vous n'avez pas besoin de la chauffer pour faire en sorte que ça passe. Après, par contre, on se dit, tiens, on va être rassuré. Désolé, il insiste. On va être rassuré en faisant des descentes pour que ça aille de mieux en mieux. Parce qu'en fait, c'est pas... Décidément, je suis... c'est pas la compensation qui a besoin d'être rassurée, c'est vous qui avez besoin d'être rassuré. Et donc, à ne pas confondre entre les deux. Par contre, sur le principe, il n'y a pas besoin d'échauffement, et c'est pour ça qu'on est très nombreux à partir en no warm-up direct, on y va et on descend jusqu'en bas. J'entends qu'après derrière, il y a des gens qui font des exercices musculaires, des massages du visage, comme ça, mais c'est plus des relaxations que véritablement des éléments de musculation ou d'échauffement quelconque, quoi. Je veux dire, en tout cas, on est très nombreux à ne pas s'échauffer du tout le visage de quoi que ce soit et à descendre à trois chiffres, quoi. Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment purement psychologique, quoi. Tu vois, par exemple, je prends mon cas, avant de faire une descente sur 40, je me rassure en me disant je vais faire une première sur 20, 25, donc… Et donc, a fortiori, ça a une influence. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas s'échauffer, hein, parce que dans ces cas-là, si tu en as le besoin, il faut le faire, d'accord? Mais par contre, ce n'est pas la technique en soi, ni le besoin physiologique de le faire. Enfin, c'est toi qui en ressens. Voilà. Ouais, ouais.
Ok, merci. C'est un avantage pour les filles, étant donné que c'est une histoire de langue, Sylvain. Bah écoute, pour ta compagne, j'espère que non. J'espère que tu sais aussi bien te servir de ta langue que les filles. Allez, question suivante. Bonjour, Pascal. Salut, Benjamin. Tu m'entends? J'ai une petite question. Tu expliquais que le travail de compensation se faisait beaucoup à sec. Ouais. Donc, au-delà des différents travails que tu fais sur la partie tétale, comme tu expliquais, avec les va-et-vient pour compenser, je suppose qu'il y a aussi un travail au niveau de la langue et de la gorge à effectuer au-delà de ça. Ou pas que là. Hein. Il faut comprendre que l'objectif va être de transférer l'air de là jusque là. Il y a pas mal de muscles utilisés et pas mal de robinets à ouvrir et à fermer pour aller de là jusque là. Donc, effectivement, il y a plein de zones à travailler. C'est ce qui, d'ailleurs, donne lieu, et malheureusement, des fois, un peu un mélange, ce qui donne lieu au fait que vous trouvez plein d'exercices pour travailler plein de trucs. On dit, ah, tiens, tu vas renforcer ta glotte en faisant comme ça, tu vas renforcer ton valve du palais en faisant comme ça, tu vas renforcer ici en faisant comme ça, ouais. Alors que ça se trouve, vous n'avez aucun problème avec votre glotte, aucun problème avec votre valve de palais, aucun problème avec quoi que ce soit. Et que du coup, bon, ça révèle que vous savez faire un exercice et jouer avec le ballon, vous êtes content, mais finalement, ça ne vous permet pas de descendre plus profond parce que ça ne vous permet pas de mieux compenser. Donc, par conséquent, j'ai envie de te dire, oui, il y a plein d'étapes. Maintenant, le plus important, c'est comme tu te disais, écoute, il y a un manuel qui existe. La compensation, ça marche comme ça. Et effectivement, c'est le cas. Il y a un manuel, la compensation, on sait comment ça marche. Par contre, comment est-ce que pour toi ça marche? Comment est-ce que quel est ton problème à toi et comment tu dois apprendre à le faire évoluer? Là, l'intérêt d'aller rencontrer un moniteur. Mais effectivement, il y a plein d'étapes pour aller de là jusque là. Mais ça sera peut-être la partie de demain que tu développeras un peu plus. On va aborder des choses demain, je te confirme. D'accord, donc je vais pas m'éterniser, on apprendra demain. Pardon, je crois. Je disais, je vais pas m'éterniser sur la question, on attendra tes préconisations demain et puis. Voilà. On va commencer par des premiers basiques, en tout cas, et puis après on verra ce qu'il en est. Ok, ça marche, je te remercie, Pascal. Véronique, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, je voulais dire là, dans les formations là que l'on fait nous en fausse, on nous dit toujours, on nous observe, on nous dit si ça passe pas, c'est parce que t'as la nuque qui est trop tendue, t'es pas assez relâché. Tout ça, ça influe aussi sur la compensation. Est-ce que c'est si, parce que là on parle toujours là c'est de la langue, le côté technique de la compensation, mais est-ce que c'est vrai le fait d'être relâché au niveau de la nuque, est-ce que ça joue beaucoup si, dans la compensation, quoi. Parce que nous, on nous le dit souvent, on nous le répète, quoi. Oui, alors, la compensation, elle a un petit peu la compensation, elle a un petit peu les épaules larges. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on met souvent sur le dos de la compensation la raison pour laquelle on s'est arrêté et on dit que pour que la compensation passe, il faut qu'un certain nombre de choses se fassent. Moi, j'ai envie de dire, tu sais, si ta technique de compensation elle marche à 5 mètres et qu'elle marche pas à 15, est-ce que c'est la technique uniquement qui pose problème ou est-ce que c'est parce que entre 5 et 15, il y a quelque chose qui a changé chez toi qui fait qu'effectivement ça se passe plus. Donc, bah, qu'on soit clair, en soi, la technique, non. Ce que je veux dire par là, c'est que, sauf si tu es pas Salva, on est d'accord, si tu fais de la salva, la technique va empêcher que ça marche à 15 ou à 20, d'accord? Par contre, effectivement, toi, tu peux avoir des gestes que tu fais au-delà qui font que finalement, tu crées un problème d'inconfort quelque part qui a pour conséquence que la compensation ne se passe plus bien, d'accord? Donc, moi, j'entends dire, pour mieux compenser, il faut te détendre. J'avais dit, mais tu sais, en fait… Pour faire de l'apnée, de façon générale, il faut te détendre. Donc, considérer que ta nuque, elle est tendue et que tu es comme ça, que tu n'es pas bien, que tu dois continuer à progresser, j'ai envie de te dire, mais de toute façon, même à 5 mètres, si tu es comme ça, il ne faut pas aller plus bas. Donc, ce n'est pas parce que finalement, tu as rencontré un frein à 15 que c'est une bonne idée. Il faut résoudre le problème à 5 aussi, quoi. Mmh. Ce n'est pas la technique en soi, c'est malheureusement la façon dont nous, on réagit sous l'eau qui fait qu'on peut créer un problème de compensation. Ouais, ouais.
D'accord. Pascal? David? J'avais une question par rapport à l'introduction de ton exposé sur la relation entre la pression et les volumes de l'oreille moyenne. Donc j'ai bien compris ta démonstration, mais pourquoi, dès qu'on lit ailleurs ou qu'on regarde ailleurs, tout le monde parle de la pression qui appuie sur le tympan et c'est ça qui fait mal? D'accord. Ben en fait, je vais te répondre assez simplement parce qu'on dit des conneries. Voilà. Mais je suis le premier à le faire. Moi, je suis issu de la formation de la plongée. Et dans le monde de la plongée, on voit, avec ceux qui ont fait des formations, on voit beaucoup la flèche de l'eau qui appuie sur le tympan, etc. Et c'est parce qu'à un moment donné, on l'a enseigné comme ça. Et donc, comme on l'a enseigné comme ça, c'est resté dans l'enseignement. Et ceux qui n'ont pas remis en cause ce postulat-là croient toujours que la pression de l'eau appuie sur le tympan. Les gens ne comprennent rien que c'est une sorte de pression. Etc. Voilà, c'est juste qu'à un moment donné, tu sais, on a donné un manuel et puis on a dit, les gars, suivez ce manuel. Et donc, c'est ce qu'on a fait tous. Il y en a qui ont fait pareil avec la Bible, il y en a qui ont fait pareil avec le Coran, il y en a qui ont fait pareil avec plein de lois scientifiques. Et aujourd'hui, on utilise tous des lois et des règles qu'on nous enseigne pour passer les uns vers les autres, des messages. Et puis, à un moment donné, on revoit, il y a un mec qui arrive, il dit E égale MC2 et les règles changent, etc. Donc, voilà. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'histoire. Mais c'est vrai que tu as raison, ça a beaucoup été enseigné comme ça et aujourd'hui on sait que c'est une erreur. Du coup, ça, c'est quelque chose qui est franco-français. Non. Non, même si j'ai l'habitude de taper sur le système français par rapport au système que je trouve dans d'autres pays. Non, non, c'est aussi un enseignement qui se fait dans le monde de la plongée de façon générale. Donc de la plongée bouteille, tu parles là. Ouais. Ça vient, bah c'est quand même ceux qui ont l'historique le plus important et ceux qui ont le nombre de manuels le plus fréquemment disponible de façon générale. Donc oui, c'est le monde de la plongée. Ok, merci. C'est d'ailleurs d'eux que vient le fameux truc souffle. Pour compenser, il faut souffler. Alors que maintenant, on sait très bien que pour compenser, tous on fait Fenzel, tu demandes à n'importe qui, tout le monde le fait. Mais bon, je te rassure, chaque année, enfin, ça ne sera peut-être pas encore qu'à cette année parce que ça va changer. Mais ça fait 3 années que j'interviens aux Crêpes d'Antibes, qui forment les futurs professionnels de la plongée, et que je leur enseigne ce que je viens de te dire là, et que j'ai devant moi entre 25 et 30 moniteurs de plongée futurement professionnels, qui non, sont déjà professionnels, je pense que c'est 2 plongées, donc ils sont tapés plusieurs mois de formation, etc. Et ils tombent des nues quand je leur dis qu'il faut surtout pas souffler, que la pression de l'eau n'appuie pas sur le tympan. Je veux dire, les mecs, ils me regardent avec un fusil en disant qu'ils vont devoir remettre en cause tous leurs cours, sauf qu'à la fin de la journée, ils remettent en cause tous leurs cours. Hein. C'est comme ça, c'est l'histoire. Allez, je crois que j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question. Donc, ça fait un petit moment qu'on est là en plus, mais je me doutais que ce soir, ça serait un petit peu plus long. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières, je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite à venir demain pour découvrir quelques étapes complémentaires pour comment est-ce qu'on fait pour résoudre un certain nombre de problèmes de compensation. Salut. Bonne fin de journée à vous tous. Ciao. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Ciao. Super, merci Pascal. Et on vous Super, retrouve tous. monsieur. Pour, À demain. Bien soir. À demain. Bonne soirée, au revoir. Merci Ciao beaucoup, Pascal, Pascal. merci. Bonne soirée. Merci, ciao, À la prochaine. ciao. Salut Xavier, salut tout le monde.